maintenant sur TPT+. Place Journal. L'information en temps réel, c'est sur TPT+. Madame, Monsieur, bienvenue au journal. Ouvrons ce journal par cette actualité. Brazzaville, capitale congolaise, abrite du 26 au 28 octobre 2023 le deuxième sommet des trois bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales. À quelques jours de la tenue de cet événement, la ministre de l'Environnement, du Développement durable du bassin du Congo a animé ce 16 octobre au Centre international de conférences de Kintele une conférence de presse face à un cartel de journalistes. Arlette Soudan-Nonold a tenu à édifier davantage les enjeux de ce sommet et aussi leur donner une opportunité d'avoir une meilleure appréhension de ces enjeux en vue d'une sensibilisation plus efficiente. Vous suivrez le reportage dans nos prochaines éditions. L'humanité célèbre chaque 16 octobre la Journée mondiale de l'alimentation. Pour cette année 2023, le thème national est soutenu « L'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit ». C'est dans cette optique que l'association Help Children, sous le parrainage du maire de l'arrondissement numéro 2 Mvumvu, a organisé une activité relative à cette journée. C'était dans l'enceinte du centre intégré de Mvumvu. Témoin de cet événement, Patience Ravi Benoît et Prince Charlie Chikaya. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, l'association Help Children a organisé une rencontre avec les mamans de Mvumvu ce lundi 16 octobre 2023 sur le thème national « L'eau c'est la vie, l'eau nous nourrit » afin de sensibiliser ces dernières sur les dangers d'une malnutrition et aussi les édifier à bien respecter les fréquences dès le premier jour de vie de l'enfant. Le représentant de l'administrateur maire de l'arrondissement de Mvumvu s'est exprimé en ces mots. Association Help Children, vous venez de nous prouver que vous êtes là pour nous assister. Vous avez formé les mamans en quelque temps. Ça a été profitable. Ce sont là des actions à encourager. N'oublions pas que notre pays, le Congo, a participé en 2015 à une grande réunion lorsqu'on avait décrété les objectifs de développement durable. Et parmi ces objectifs, il y a un objectif qui parle de la santé et du bien-être. Vous comprenez aisément que le chef de l'État, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, prône la bonne santé et le bien-être. Deux points ont été à l'ordre du jour de la rencontre. Le premier était axé au programme 1000 premiers jours exposé par le docteur Teresa Bikindu. Ensuite, une large échange avec les participants dans le but d'aider les maires à surmonter les difficultés rencontrées pendant cette période. Monsieur Boris Moulélé s'est exprimé en ces termes. Nutritionniste, membre de l'association Help Children. Nous nous occupons du programme nutrition. Ça fait partie des objectifs de l'un de nos missions. Le but, c'est d'encourager. Aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus ces messages clés que les mamans reçoivent lors des visites de routine, notamment la consultation CEPES, commence à être un peu dénaturé. Donc il fallait revenir sur les bases essentielles. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons profité, comme c'est la journée de l'alimentation, revenir sur les étapes
expliquer comment enrichir la nourriture de l'enfant, parce que beaucoup s'embrouillent, ils ne savent pas exactement quoi faire, quoi donner. Et je pense que les mamans sont satisfaites. Les bénéficiaires n'ont pas tari de mots pour remercier l'association Help Children pour cette noble initiative. Vraiment. Les impressions sont très grandes parce que dès la journée d'aujourd'hui, nous les mamans, nous avons appris dorénavant à quel moment il faut diversifier l'alimentation de l'enfant et de comment le faire aussi. Et en dehors de cela, beaucoup de conseils ont été donnés qui permettront aux mamans dorénavant de bien prendre soin de leurs enfants pour qu'ils ne sombrent pas dans la malnutrition. Notons que les bouillies et les vêtements ont été offerts aux participantes. Le championnat national congolais va débuter sous peu, sauf changement de dernière minute. Seulement à quelques semaines de son coup d'envoi, l'état de la pelouse du complexe sportif de Pointe-Noire qui accueillera les rencontres de cette nouvelle version laisse à désirer. À cela s'ajoutent des toilettes hors service, des vestiaires non électrifiés, un tableau sombre qui laisse sceptique et ponctoie bon nombre d'observateurs. Prince Charlie Chikaya a fait le constat. Un bon championnat dépend aussi de la qualité des installations qu'il accueille. Après quelques avancées enregistrées, notamment sur l'accompagnement des clubs, grâce à l'apport des sponsors dans le but de moderniser et de professionnaliser le championnat national congolais, lequel championnat qui débutera dans quelques semaines, le complexe sportif de Pointe-Noire, site qui accueillera bon nombre des rencontres, de cette nouvelle version du championnat ne fait pas bonne figure. L'image qu'il présente laisse à désirer, des vestiaires non électrifiés et surtout, l'état actuel de sa pelouse ne rassure pas, ressemblant à un champ de patates du fait de sa dégradation très prononcée. Selon certaines indiscrétions, ce complexe sportif sera fermé pour un laps moment du fait des travaux avant le démarrage de la saison prochaine annoncée. Force est de croire que cette pelouse pourrait donc constituer l'une des priorités en ce qui concerne des travaux de réfection qui s'exécuteront dans ce complexe sportif, au regard bien entendu des avancées qui sont en train d'être enregistrées. Qu'à cela ne tienne, les conditions optimales pour une bonne organisation et de la bonne pratique du football s'imposent et une bonne pelouse serait mieux pour la fluidité et la bonne circulation du ballon rond. Après le match nul de 2 buts partout obtenu à la manche aller, l'ASA Cheminot s'est imposé aux forces devant son adversaire du jour, le CAFA, sur un score de 1-0 lors de la manche retour, validant ainsi son maintien en première division. C'était le dimanche dernier au complexe sportif de Pointe-Noire. Revivez ces moments pathétiques pleins d'émotions avec Prince Charlie Chikaya. Ambiance électrique ce dimanche au complexe sportif de Pointe-Noire. Les amoureux du ballon rond avaient rendez-vous avec l'histoire. D'un côté, l'AS Cheminot qui jouait son va-tout pour son maintien dans l'élite et de l'autre, la jeunesse de CAFA qui rêvait retrouver une place au sommet après avoir manqué l'occasion d'y accéder lors de sa finale perdue à Madingou face à Vegas. D'entrée de jeu, le CAFA a su trouver le chemin défilé par l'entremise de son numéro 18, Bongo Bachi Anelka, à la 17e minute. Hélas, que le but a été invalidé pour une position d'hors-jeu. 0-0, c'est sur ce score que les deux équipes ont rejoint les vestiaires lors de la pause. 7 minutes auraient suffi au Cheminot en seconde période pour obtenir un pénalty qui semblait être litigieux pour décorer. Malgré les multiples occasions obtenues, le CAFA n'a pas pu revenir au score. C'est donc finalement sur ce score de 1-0 que s'est terminée la rencontre. À l'issue de celle-ci, les deux entraîneurs respectifs se sont livrés à la presse. Premièrement, je dis félicitations aux enfants parce qu'arrivé à ce niveau-là, on n'avait rien à perdre. Vu le championnat qu'on a eu à faire, je dis vraiment chapeau pour les enfants et merci pour le public qui est venu nous accompagner. Mais je dis un arbitre, s'il est capable de produire ce genre de spectacle,
devant les organisateurs, c'est qu'il n'y a plus de barrière, il y a plus de, vraiment de barrières au Congo. Je ne dis pas que je ne suis pas ancien arbitre, mais je suis ancien footballeur. Il y a certaines fautes contre il y a certaines décisions. Moi, je peux même l'appeler un briseur de rêve. Mais il n'y a pas de souci. On va continuer à travailler parce qu'on est là pour l'évolution des enfants. Nous sommes vraiment très contents, moi et mes joueurs et les supporters. Nous sommes vraiment très contents parce que c'était ma mission. On m'avait pris à Brazzaville pour venir sauver cette équipe. En collaboration avec les dirigeants, le TG Loge, les Franquis et tout le monde. Vraiment, nous avons travaillé en franche collaboration. Ça nous a poussé d'avoir le résultat. Il s'est de rappeler que, sauf changement de dernière minute, le début du championnat national Ligue 1 saison 2023-2024 est annoncé pour le 10 novembre prochain. Au Libéria, la commission électorale a publié dimanche les résultats provisoires de la présidentielle du 10 octobre. Il porte sur les 73% des bureaux de vote. Selon ces chiffres, le président sortant et son principal adversaire seraient au coude à coude. En Israël, plusieurs personnes, y compris des proches victimes enlevées par le Hamas, se sont rassemblées lundi à Kiria, qui abrite le quartier général militaire, pour exiger du gouvernement la libération de leurs proches. Et enfin, au Tchad, l'opposant tchadien Succès Masra reporte son retour d'exil au mois prochain. Voilà, c'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Ensemble, partageons l'information.